Le COSPE face au défi de la digitalisation de ses services. C'est le thème autour duquel a eu lieu ce vendredi 9 décembre la 4e édition de la rentrée des œuvres sociales du Centre des œuvres universitaires sociales de l'Université de Parakou. Le COSPE est un centre qui a pour mission d'assurer les prestations des services propres et d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Depuis l'arrivée du DECOUS Abdourahoufou Sessi Sidi, le centre a connu des réalisations considérables et quantitatives. La capacité d'hébergement des étudiants est passée de 400 lits à 800 sur le site de Parakou. Le séjour des étudiants en cabine est passé de 5 mois à 8 mois. Le restaurant universitaire qui ouvre ses portes désormais en décembre au lieu du mois de février de l'année suivante. Les additions ont été réalisées avec la construction des forages d'eau. À travers un planning appuyé d'un chronogramme, des activités artistiques, culturelles, sportives sont bien organisées pour une ambiance festive de la cité universitaire tout au long de l'année. Enfin, les œuvres universitaires et sociales de Parakou contribuent à l'insertion professionnelle à travers des prestations. À cet effet, la promotion des activités artistiques et culturelles sur le campus favorise la révélation des talents. Les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants n'est plus à démontrer. Néanmoins, des difficultés persistent encore. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que les résidents de l'université de Parakou souffrent de la pénurie d'eau. Le volet transport reste encore un mythe. Nous ne savons pas jusqu'à la date d'aujourd'hui si l'université de Parakou dispose d'un bus pour faciliter les transports ou les activités. De la rénovation des aires de jeu, c'est-à-dire le terrain de football, de basket, le podium culturel du centre universitaire de Natitengou, et également la politique exécutive des activités sportives et culturelles. Le directeur du COSPE va rassurer les étudiants de ce hall de savoir des actions de l'exécutif afin de leur offrir davantage de meilleures conditions de vie et de travail. À ce titre, il y a des réformes qui ont été introduites au niveau des courses. Ces réformes sont très avancées et si elles venaient à porter leurs fruits, je crois que beaucoup de choses dont les étudiants se plaignent en ce moment trouveront une solution. Une fois qu'on arrivera à impliquer les privés, les restaurants seront multipliés et à travers une certaine diversité, les étudiants pourront se régaler à des prix subventionnés par l'État. En ce qui nous concerne, au niveau de l'université de Parakou, nous avons essayé, autant que faire se peut, de développer la galerie marchande où les étudiants peuvent manger nos mets locaux. Cette 4e édition de la rentrée des œuvres sociales du COSPE est organisée sous le haut parrainage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et il faut préciser que le COSPE intervient dans plusieurs domaines, à savoir l'hébergement, la restauration, les activités artistiques, culturelles et sportives, la santé et l'assistance sociale. Des animations culturelles ont mis un thème à cette cérémonie.